Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2 sur PC. Encore une fois, un grand merci à LN pour me l'avoir offert, c'est très gentil à lui. Donc, comme vous l'entendez, je suis bien malade encore, hein, c'est rigolo, hein, je pensais que ça durerait qu'une journée, peut-être deux, mais finalement là on a la troisième journée, c'est épique. Jamais 2 sans 3, de toute façon j'aurais dû le voir venir. Par conséquent, je vais réduire un petit peu la durée des épisodes, chers amis. J'espère que vous m'en excuserez pour cette fois. Quoi qu'il en soit, nous allons nous focus sur une mission. Donc la mission en question, c'est la mission Faux Profit, dans laquelle nous devions tout simplement... Hop, voilà. Donc c'est pas une mission secondaire, en fait c'est une mission principale. Interroger Jimmy Siska à la place d'un de ses fausses auditions, vous savez. Hop, donc on y va. Bonjour monsieur, bonjour. Salut Ghoul, la forme? J'ai réussi à te récupérer des fringues de New Down. Avec ça tu passeras inaperçu. Ouais, merci mec. T'inquiète, fous-leur la misère. Compte sur moi, merci, super, super polo d'ailleurs au passage, hein. Super sweatshirt. Souhaite à capuche. Oh là, quelle horreur. Quelle horreur. Pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Ouais. Alors. Bonjour, je suis Jason Lowell. Je suis ici pour votre audition. Ah oui, Jason Lowell. Vous êtes très fort, il paraît. Allez-y, entrez. Merci de me recevoir, vraiment. Asseyons-nous. Alors, et si on s'y mettait? Mes sources m'ont dit que vous aviez formulé quelques doutes à propos de l'église. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Des doutes, c'est un bien grand mot. Disons que je suis un peu moins inspiré qu'à une certaine époque. Jimmy, n'ayez pas peur. N'inquiétez pas. Vous pouvez vraiment tout nous dire. Vous avez raison. Ok. Ok, il y a certaines rumeurs. À propos de cet endroit, où on emmène les membres de l'église quand ils ont des problèmes. Et ils n'en reviennent pas avant un sacré bout de temps, quand ils reviennent en tout cas. Je suis au courant de ces rumeurs, et vous savez quoi? Rien de tout ça n'est vrai. Mais c'est tout? Je vais pas avoir d'ennui? Pour avoir dit la vérité? Non. Merci infiniment, je vous promets que vous n'aurez pas à le regretter. Écoutez, juste une dernière chose. J'ai vraiment envie de creuser cette histoire de rumeurs, alors vous savez où ce camp imaginaire est censé se trouver? J'en sais rien, et j'espère ne jamais le savoir. Est-ce qu'il a un nom, alors? La Chambre Rouge. Il l'appelle la Chambre Rouge. Oh, et Jimmy, une dernière chose. Vos 5 derniers films étaient vraiment... vraiment à chier, alors essayez de faire mieux. Allez, gardez la pêche. Ciao! Ça peut pas passer, c'est pas possible. Ah, c'est passé, bon. Oui, donc on va revenir sur cette chose, chers amis, vous voyez ce que je vais faire. Attendez, on va attendre qu'il cause. Je sais comment on va pouvoir se faire New Dawn, mais il y a quelque chose qui cloche. Jimmy Siska a peur d'un truc appelé la Chambre Rouge. Jimmy Siska, attends. La Chambre Rouge. Apparemment, ce truc, c'est une espèce de centre de désintox où ils envoient tous les membres de l'église qui leur posent des problèmes. Et ceux qui y vont, bah, parfois, ils y restent toute leur vie. S'ils kidnappent vraiment des gens, c'est notre... Ou ils reviennent pas. J'ai aucune info là-dessus. Tu veux que je me renseigne? Non, je gère. Merde. Ok, voilà. Donc, chers amis, comme vous le savez, je suis prêt à... Ah, bon, mince. Ouais, c'est moi, Marcus. Marcus Holloway? Comment vous avez eu mon... Oui, j'avais oublié. J'ai besoin d'une info. C'est au sujet de New Dawn. Ça vous dit quelque chose, la Chambre Rouge? Miranda? Je vous envoie une adresse. Retrouvez-moi là-bas. Oh, c'est la voix du capitaine Holt dans Brooklyn Nine-Nine. Donc oui, comme vous le savez, j'étais prêt à tolérer le fait que je ne gagne pas d'argent avec ces vidéos-là au niveau des droits d'auteur parce qu'il y avait de la musique. Le seul véritable souci, c'est qu'au-delà de ça, en fait, le jeu n'a... Enfin, certaines de mes vidéos, la vidéo numéro 7 en l'occurrence, n'a pas du tout été lisible en France. C'est pourquoi, avec vous, chers amis, je vais désactiver les musiques du jeu. Voilà. Je suis désolé, j'espère que ça va en tout cas couper aussi les musiques classiques du jeu. Du coup, comme ça, vous aurez accès à toutes les musiques sans avoir, enfin à tout le jeu, sans toutes les vidéos, sans avoir de problème.
litigation contentieuse en cours avec Galilei, la société à l'origine de l'onéreuse voiture high-tech, à l'affiche du dernier blockbuster du studio, Cyberdriver. Les emails révèlent qu'un cadre du studio aurait qualifié le véhicule de vulgaire caisse à savon et menacé de poursuivre en justice la compagnie aérospatiale. En ce qui concerne le studio HMP, c'est un mal pour un bien, car l'intérêt pour le film est monté en flèche suite au piratage, faisant de Cyberdriver un des plus gros succès de l'année. D'accord. D'après la police, le studio n'a pas encore porté plainte contre le groupe de hackers. Suite de l'affaire sur WKZ. Non, il a pas voulu monter là-haut. Alors, on va essayer de choper les vêtements qu'il y a par là. Ah, il y a un SDF qui était là. Non, c'est un SDF ou c'est quoi lui ? Musée de métro. D'accord, bonjour, donne-moi ton argent, merci. Hop, voilà, ça va être ici. Crac. Et nous y sommes. Voyons, c'est très très bien ici. Question, il y rentre ? Il voulait pas y rentrer, hein. Ah non, mais tu veux pas rentrer dans le truc ? Voilà. Ok. Alors, les fringues, c'est ici. Il y a une boîte. C'est Y. Cable car, masque. Masque ajouté dans la garde-robe, ok. Donc je suis désolé d'être aussi malade. Je sais bien que c'est pas de ma faute, entre guillemets, mais... bon. Donc voilà. Oui, donc je peux tolérer, chers amis, comme je l'ai dit, que je ne fasse pas d'argent cette série. Hein. Ça ne me dérange pas plus que ça. Après tout, je fais ça aussi, et surtout pour vous, et pour le fun de jouer, hein, surtout à ce jeu en plus que j'avais vraiment envie d'y jouer. Donc c'est pour ça que même s'il fait pas beaucoup de vues, même si telle ou telle raison ne fait qu'il me rapporte pas d'argent, ne me dérange pas. Par contre, ce qui compte pour moi, c'est que vous puissiez suivre l'aventure en entier et dans la meilleure qualité qui soit. Donc voilà, je préfère que vous ayez accès à toutes les vidéos que cette vidéo plutôt soit bloquée bêtement par des personnes qui estiment que elles peuvent se permettre de bloquer la vidéo dans certains pays parce que voilà, leur musique apparaît pour 15 secondes dans la vidéo. Je trouve que c'est... Bon, je comprends le principe, hein. Je comprends bien sûr le fait que, voilà, c'est leur travail à eux. Je comprends qu'ils veuillent le rentabiliser. Mais ce que je comprends pas aussi, c'est que même moi qui suis prêt à passer à côté, ils sont prêts, eux, à bloquer la vidéo. Donc c'est vraiment juste pour emmerder le monde, je trouve. Je préférais qu'ils prennent de l'argent dessus, qu'ils me pompent de l'argent dans ma vidéo, qu'ils en bloquent l'accès à certains pays, comme la France, quoi. Surtout que je l'upload en France, quoi. Donc bon. C'est un peu dommage. Non, c'est la pleine nature par là. Sympa, cela dit. On a une petite route, on va suivre la petite route. Oh, attendez, il y a un parking là. Hop. S'il y a un parking, on peut-être s'y garer. Hop. Parfait. On est bien. Alors par contre, je vois qu'il y a une zone rouge juste devant. Donc peut-être un petit peu moins bien. A mon avis, c'est en sous-sol. Allez, c'est dans le bunker, à mon avis. Je pense pas avoir de problème en passant par-dessus. Voilà. Et j'ai pas de problème. Parfait. Ok. Alors. Hop. Parfait. On y est. Bonjour monsieur, bonjour madame. Enfin bonjour monsieur, dame, parce que je sais pas trop, vous parlez bizarre. Vous avez la voix d'un monsieur, mais vous ressemblez à une femme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors, c'est quoi votre problème ? Mais c'est quoi ce bordel ? Qui nous ? D'être sec. J'ai quelques amis qui rêveraient de vous envoyer en prison. J'ai pas peur de me battre, et vous non plus à une certaine époque. Je vous demande pardon. Vous aviez pas tellement peur de vous attaquer à Newdon, si je me souviens bien. Mais bon, je comprends. Vous êtes au conseil, vous êtes importante. Non. Ne venez pas me sortir que je suis une vendue maintenant. Ces ordures détruisent des vies. C'est un mec, on est d'accord. Ils sont allés jusqu'à publier des vidéos de mes opérations. Sauf que voilà. Ouais, ça va être ça. J'en ai rien à secouer. J'ai rien à cacher. Mais vous avez raison. Je suis au conseil maintenant. Je ne peux rien faire. C'est pour ça que vous m'avez demandé de venir ici. Vous avez besoin de moi. On a chacun besoin de l'autre. Mais surtout, j'aime finir ce que j'ai commencé. D'accord, c'est donc un monsieur-dame.
N'allez pas croire que New Dawn est une église. C'est une organisation criminelle. J'ai examiné les dossiers de toutes les propriétés qu'ils possèdent dans la baie et il y en a une qui cloche. Ouh. Là-bas. Où ça? Là-bas. Elle est indiquée. La 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 la. Sauf que les portes sont verrouillées, personne ne répond et il y a de la sécurité partout. D'après vous, est-ce que ça ressemble à un centre de formation? Non. Plutôt un centre de déformation. Je vais rester ici. Vous devriez aller. Oh. D'accord, tu veux m'observer. Je trouve ça un petit peu creepy, mais c'est pas grave. Merci, Miranda. Hop. Eh ben, ça nous dit, ça nous jouait, pardon, chers amis. Alors. Poupi, 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 pou. T'es allé voir Miranda ? Oui. On pense que c'est ici, mais on sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Par contre, il cache forcément quelque chose. Bonjour monsieur, peuple des renforts, si ok. Un PC, histoire de fouiner un peu. Oh mais il y a un paquet de caméras, dis donc. Je vais peut-être pas chouiner et je vais peut-être tuer des gens. Hein. Soyons honnêtes. Là, je vais peut-être être un peu plus vilain qu'avant, on va dire. Faut pas... Organisation criminelle, ils vont pas hésiter à me tuer. Quand c'est des gardes, vous savez que des trucs, des gens que je... Que je peux choisir de ne pas supprimer. Bon, allons-y. Il y a du verre en plus. Allons-y. Allons-y. Alors, excusez-moi, je vais me racler la gorge. Et votre famille pense pouvoir vous aider, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont eux-mêmes perdus. Voilà, chers amis, excusez-moi. Oh là là, ça va pas le faire. Laissez-nous vous instruire, et vous pourrez leur transmettre le message. C'est quoi ça? Merde. Voilà. Et de 1. Est-ce que je suis recherché? La vérité a toujours été claire depuis l'aube de l'humanité. Mais l'homme a choisi de l'ignorer. Bordel, elle me cherche les morts. Ayez foi, et vous pourrez recevoir cette vérité. Cherchez la classe A, et vous obtiendrez la connaissance. Fouillez toute la zone. Et de 2. Hop, derrière la niche du chien. T'es sérieux là? Dis donc, vous voyez de loin les gens. Et le 3. Quoi? Ils sont nombreux. Oh la vache. Mais cassez-vous vous. Ah bah oui, mais madame, vous passez devant. Oula, merde. Hop. Ah merde, il y avait un mec à droite. Ok. Même la partie classique, elle va être difficile. Même en rentrant de manière un petit peu violente, ça va être difficile. Ok. Marcus, t'es allé voir Miranda ? Ouais. Ouais, j'en viens. On pense que c'est ici, mais on sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Par contre, il cache forcément quelque chose. Je vais voir si je trouve un PC, histoire de fouiner un peu. Ouais. Passer par là, non? Non. Par là? Non. Pas du tout. Vous aider à retrouver la voie. Entendez la vérité.
Hop. Allons-y. Alors, ce monsieur va repasser. Vos amis et votre famille pensent pouvoir vous aider, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont eux-mêmes perdus. Nous sommes votre famille maintenant. Nous vous comprenons. Laissez-nous vous instruire, et vous pourrez leur transmettre le message. Pas maintenant. Merde. Oh non ! La vérité a toujours été claire. On va vous transmettre la description de la cible. Quoi ? Mais où est-ce que vous m'avez vu ? Cherchez la clarté et vous obtiendrez la connaissance. Où est-ce que vous m'avez vu ? C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Je m'insurge ! Comment je fais pour envoyer des grenades ? Comment je fais pour envoyer des grenades ? Hop ! Comment je fais pour envoyer des grenades ? Dis-moi tout ! Hop, pause, deux secondes. Comment je fais pour envoyer des grenades ? Manette. Configuration. Alors, ouais, nanana. Morceau, média app, d'accord. Commande multimédia, non, non, non. Mode visé. Profiler. Piratage rapide. Projectile. Ok, vendu. Tiens, ça paraît d'exploser ce truc là. Hop, recharge. Hop. Alors, il en reste combien ? Bonjour. Recharger. Recharger. Ça se passe plutôt mieux. Ça se passe un peu mieux que la dernière fois. Oh non, t'es sérieux là ? Et où est le dernier qui me tire dessus ? Bon, chercher de l'argent, déjà. Merci. Hop. Où est-ce qu'il me voit ? D'accord, il est là-bas. Voilà, il n'y a plus personne. C'est bon. Wouh ! Alors, c'est qui le patron ? C'est qui le patron ? Tiens, il y a une clé de sécurité ici. Laissez-nous vous aider à retrouver la voie. Merci, bonjour. Excusez-moi, j'ai encore vachement mal à la gorge. Hein. Encore une fois. Je suis malade. Complètement malade. Pourquoi il y a du verre dans cette maison ? J'aimerais bien qu'on me l'explique. Siska ? Oh, allez, vas-y, sors. Jason ? Je m'appelle pas Jason, et je bosse pas pour Newton. Faut me faire sortir d'ici, mec. J'ai rien à faire là. Barrez-vous, allez. D'accord. Casse-toi. Cool, on l'a sauvé. C'est génial. Ah, c'était ça l'objectif ? Ah non, voilà. Appelez. Oh là là, tellement de classe.
Tellement de classe. La porte s'ouvre, nous y sommes. Bonjour. Ah bah attendez, je vais agir moi-même. Non, je peux pas. Ah si, voilà. Hop. Crac. Je croyais qu'il fallait que j'envoie le petit truc justement, le petit jumper pour le faire. Miranda, Jimmy Siska se dirige vers vous. Ok, et vous? Je m'en sortirai seul. Assurez-vous qu'il lui arrive rien. D'accord. C'est parti. Quittez le camp de redressement. D'accord. Bah écoute, on va prendre ce pick-up, hein. Pip pip. Et on y va. Hop. Et nous sommes bons. On va passer par la petite route, littéralement. Voilà. C'est sympa. C'est vraiment sympa dans le coin. Alors, il va y avoir une amélioration du jeu parce que je le trouve plus fluide. Sécurité. Merci Miranda. Non, c'est vous qui avez tout fait. Il veut vous parler, je vous le passe. Marcus. Oui, bonjour. Je veux cramer tous ces fumiers et je sais pas où commencer. Ah! Retrouvez-moi devant le temple de Newton. Non mec, il faut porter plainte. On vient de prouver que l'église séquestre des gens. En plus, j'ai tout filmé. On va diffuser la vidéo au monde entier et ça va être bon. Non, non, non. Je peux vous emmener au cœur de l'église. Les reliques sacrées. La source originelle. Ah, ça, c'est une offre que je peux pas refuser. On se retrouve là-bas. Hop. Voilà. Bon, bah c'est cool. Alors, salut les mecs. Est-ce que ça va? Je viens faire des achats. Est-ce qu'il y a des choses sympas dans le coin? Niveau des lunettes, c'est définitivement pas mon genre, ce genre de lunettes. Au niveau des hauts, oula, la bannière étoilée. Qui par sa force et son courage sauvera l'Amérique. Si je chante, je vais crever bientôt. Oh là 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 là. Bon, on reviendra, je pense, pour le... Attendez, je crois que j'ai vu qu'il y avait un autre magasin juste en face ou un truc dans le genre. Voilà. Barbershop, bonjour. Faudrait que j'y aille, après tout, apparemment, ma barbe vous fait peur, apparemment, donc... Aïe, tu pourrais faire attention. Donc, je pense que je vais régler ce problème de barbe. Hello there. Des chinois? Axel. Ok. Des lunettes rouges, pourquoi pas. Ici on a quoi? Mouais. C'est particulier. Pas mal mais particulier. Ok. J'aime bien celui-là. Je vais l'acheter. Non, en niveau casquette, tu as quoi? Sport et trucs là encore. Ok. Ici. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Je vais aller voir dans ma garde-robe. Peut-être pas au niveau de DedSec directement. Ici peut-être? Non. Si, ça rend bien ça avec le jean. Bon, clairement les chaussures c'est pas le top hein. Et le fait que le jean s'arrête un poil trop tôt. Alors attends, je vais continuer à faire des achats 2 secondes. Merci. Hop. Ah bah oui, j'en ai normalement. Attends. Ça doit être ici. Alors du coup par contre je changerais bien le haut. Du coup je changerais bien le haut. Plain stock, qu'est-ce que j'ai en... pas en pantalon, en haut. Hop. Ouais, voilà. Crac. Voilà. On est tout beau, tout belle. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Revêtement et salle du temple de New Dawn. Cependant... Pardon. Là.
Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà, 25 minutes, ça va être parfait. Pour en tout cas essayer d'en faire un maximum. Tout en étant malade et essayer de ne pas trop me fatiguer. Donc voilà les amis, encore une fois, moi je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le fait qu'il n'y ait plus de musique dans le jeu ne vous dérange pas. L'objectif c'est que vous puissiez voir toutes les vidéos et suivre toute l'histoire du jeu sans problème. Du coup, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.